et ben voilà, nous sommes donc toujours à Séoul, cette fois dans une petite ville qui se trouve à 1 km de Séoul. Non, pas 1 km, à 1 heure de voiture de Séoul. Nous sommes dans le parc d'attractions aquatiques des Coréens. Voilà, ils ont leur pirate des Caraïbes à eux et ben c'est comme ça qu'ils en profitent. Donc, je vous laisse regarder. Bonjour Jisook, hello Jisook. Hello. How are you? I'm fine. Fine. So you enjoy your day here? Ah, ok. Alors, ce qui est très étrange en fait chez les Coréens, ce sont les mesures de sécurité qu'ils ont et tout ce qu'ils font pour se protéger. Alors déjà le soleil ils aiment pas, donc vous les voyez avec des t-shirts et des gants intégrales partout. Et ensuite, c'est en fait les gilets de sauvetage qui sont obligatoires partout dans le parc et le chapeau bien sûr. Alors moi j'en ai pas parce que j'ai les cheveux ras. Mais bon, la plupart des gens ont des casquettes ou des bonnets, donc c'est obligatoire. Et vous ne pouvez pas en fait y échapper. Donc voilà, donc vous voyez, ça donne en fait un panorama assez intéressant et assez marrant. Tous ces gens avec des gilets de sauvetage. Ça c'est drôle. Alors par contre, je ne sais pas où je vais. Hop là, je ne sais pas où je vais du tout. Et j'ai juste pas envie de me taper une chute d'eau. Ce serait bien embêtant parce que mon appareil n'est pas waterproof. Donc voilà, on se pousse un petit peu. Allez hop là, on y va, on repart. Et c'est parti. Donc voilà. Donc on a aussi des lifeguards de luxe, comme vous pouvez le voir. Voilà. Qui gardent bien sagement les brebis qui s'amusent. Et je peux vous dire que c'est super excitant. Ça va vite. Mais alors ça va vite. Voilà. Très marrant. Vraiment très marrant. Je fais attention parce que mon appareil n'est pas waterproof. Ça m'embêterait franchement de me taper une grosse flaque d'eau. Mais c'est tranquille, voilà, c'est de la balade. Rien d'autre à faire que de s'orienter sur la boîte. Voilà, oh putain. Je vous dis à plus tard les amis parce qu'il y a de la flotte à ça. Jamais de mort dans ce genre d'endroit, question coréen, la sécurité, ils rigolent pas avec, hein. Donc voilà, alors là ils sont comme des dingues, et ils attendent leur vague, c'est pas une grosse vague, hein, mais bon, pour eux c'est déjà énorme, pour eux c'est un tsunami quoi, ils attendent leur tsunami clairement quoi. Il y a même les gardes, les bodyguards, les safeguards ont l'air très qualifiés, hein. Je vous le cache pas, et puis, leurs planches qui ressemblent à des bananes, je sais pas trop pourquoi, c'est un peu long là. C'est chouette, j'adore.
Alors il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer parce que c'est vraiment le summum de ce parc d'attractions. C'est en fait ils ont un petit spot pour plonger les Coréens. Donc ils ont un bac, une piscine de 8 mètres de profondeur pour plonger. Donc 8 mètres de profondeur, ça je veux dire avec 8 mètres de profondeur vous pouvez plonger à peu près je dirais à une dizaine de mètres de hauteur. Et bien regardez la hauteur à laquelle ils plongent. Regardez ça, c'est incroyable, ils font la queue pour plonger ici. Comme vous pouvez le voir, le maître nageur a vraiment un regard sur la sécurité. On attend que le petit bonhomme soit sorti de l'eau. C'est bon, ok, plus aucun danger que les têtes se heurtent. Hein, parce qu'il faut dire, il peut deux personnes dans le même bassin, ça peut être dangereux. Et on plonge. Aïe. Et voilà, 8 mètres de profondeur pour un petit saut de, je dirais, allez, 1 mètre. Et ben, j'adore, hein. Oh, ah voilà. C'est super drôle. Ah, nous avons un nouveau candidat. Il se prépare. Condition mentale. Oh là, c'est un plongeon magnifique sans fioriture. Allez. On voit ça plus tard. Ayotte ga oreowo? 한번 따라해봐. Shake it, shake it, biddy biddy left. 아침엔 마시고 biddy biddy left. Chewing, chewing, biddy biddy left. 저녁엔 씹고 biddy biddy left. 매일 매일 다르니까 biddy biddy left. 참 쉽지? 따라해봐. 퓨원이 만든 해피 다이어트 프로그램 biddy left. 세계로 뻗어가는 곳 원하는